Bonjour et bienvenue sur Poké Channel 76. Donc aujourd'hui c'est samedi, le samedi c'est japonais, c'est comme ça. Bon bah petite ouverture pour ce dernier samedi du mois de novembre. Donc bon, on va faire ça comme d'habitude assez rapidement en espérant choper des shiny, des secrets et tout ce qu'il faut quoi. Donc voilà, donc vous commencez à avoir un petit peu l'habitude, hein. Un peu plus de 300 cartes dans cette série, donc 10 boosters dans un display, 10 paquets, 10 cartes par paquet, et quoi d'autre à savoir aussi, bah ouais, quasiment dans chaque paquet, hein, des holos, des shiny, etc., etc. Donc série qui est très sympathique à ouvrir. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes pour voir un petit peu la collection, comment elle avance. Donc voici. Ouais, c'est à partir de maintenant que ça commence. Et donc un baie glaçon. Ok, yes! Kyogre en Amazing. Ça fait plaisir. Yes! Et derrière, une petite V impeccable. Et voici pour la reverse Glossy. Parfait! Bon, bah déjà un bon petit tirage sur le premier booster. Tout en sachant que, comme je vous l'ai expliqué et comme vous avez dû le suivre sur les autres vidéos, cette série n'apporte que du plaisir. Waouh! Et j'ai vraiment cherché mon petit Dracaufeu aussi. Ça serait cool. Parce que pour l'instant, on avait vraiment une grosse secrète sur la première display qu'on avait ouverte. Ou bon, le premier display. Et derrière, ça s'est un peu calmé. C'est toujours sympa, mais c'est pas ouf. Ok. Bon, on va dégriller les cartes. Hop là. Ok. Bon. Et bah, deuxième paquet correct aussi, mais on n'a toujours pas de shiny, toujours pas de VMAX. Donc 2V, une amazing. C'est toujours ça. Oh, les paquets sont plusieurs ouverts aujourd'hui que d'habitude. Sont un peu mieux scellés. Bon, allez. Continuons comme ça. Un combat. Hop. Pomme de la pluie. Bas. Ok. Bon bah, pour l'instant, toujours pas de. Toujours pas de VMAX. Et aucune shiny. Donc bon, c'est pas tip top. Bon, on y croit, la chance est toujours là de toute façon. La chance va tourner. Allez. Ok. Bon. Bah c'est la fête. C'est la fête à la V là en fait. Je sais pas ce qui se passe dans la display. Mais il n'y a que des V, il n'y a pas une seule shiny. Pas de VMAX, pas de secrète pour l'instant. Ça craint un peu. Allez, on va se rattraper. Quoi qu'il arrive, le display contient une secrète. Hop là. Allez, on est parti, bien coton. Bête de neige, encore. Yes! Un petit traîneur. Très sympa. Très très sympa. Et derrière, on a quelque chose. Métamorph VMAX. Et c'est là. Ouais, 141. Parce que je crois qu'il y en a une aussi en secrète comme ça. Et donc derrière, ok. Bon.
Là, ça commence à payer un tout petit peu. Bah, payer. Façon de parler, hein, mais les hits sont là. Premier Vrimax et un dresseur. Vous avouerez que ça reste quand même très sympathique. En tout cas, moi, je suis content de ce tirage. Eh oui, monsieur Dame. Il en suffit de peu pour que je sois fan. 196 et la 141. Oh, cool. Cool. Bon, bah, on va continuer. Il nous reste quand même booster. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, 5 boosters. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, pour l'instant, ça va en fait. On n'est pas. J'ai l'impression qu'il y a des hits dans chaque booster. Voilà. C'est presque abusé. Serait-ce la magnifique display? Oh. J'arrache n'importe comment l'ouverture de booster. C'est pas très professionnel tout ça. Alors, on continue. Le Berserk Art était très joli juste derrière. Hop, pile au but, très joli. Smogogo. Ok, encore une VMAX. Non, bah c'est cool, mais par contre, c'est juste abusé là. C'est que j'ai l'impression que dans tous les paquets que j'ai ouverts, à chaque fois, il y a eu un truc. C'est cool d'ouvrir. Bah, d'ouvrir. De faire les vidéos en fait. C'est ce que ça me permet, même moi, derrière, de pouvoir aller re-regarder mes ouvertures et me dire, mais en fait, attends. Dans cette ouverture là, j'ai quand même tapé que des hits. Parce que. Bah là, on va faire le tour quoi. Mais entre l'EV Max, ouais, j'ai l'impression que pour l'instant, à chaque fois, il y a eu quelque chose. Et il nous reste 4 paquets. 4 paquets, la secrète n'est toujours pas sortie. Et une V Max de sortie. Non, 2 V Max, ouais. Bon, bah, c'est peut-être la fin pour les V Max. Donc, il y a peut-être que de la crotte qui reste et une secrète éventuellement. Yes, petit shiny, fait plaisir. Donc première shiny. Bam, ça c'est fait. 306 sur 190. Donc bah voici notre secrète. Donc ce sera un blanc coton, simplement. Carte que nous on a eue dans Destinée Radieuse, il me semble en promo. Je dis bien, il me semble, vous pouvez me corriger si je me trompe. Dans les commentaires, c'est fait pour. Bon bah attends. Très jolie carte, c'est une carte que j'ai pas de toute façon, donc moi qui aimerais bien faire la série presque entière, voire entière, bah faudrait bien que là, je la drop un de ces quatre. Bon bah c'est cool. Donc, bah trois boosters, la secrète est tombée. On a eu beaucoup de hits dans chaque tirage là. Donc je pense que ça devrait se calmer sur la fin. Même si je vous avouerai que j'espère là quand même dans ces derniers paquets, sur un malentendu, aller choper une petite VMAX en plus, je ne dirais pas non. Ou une petite Amazing aussi. Je la trouve jolie en fait celle-là, un peu déstructurée. Bon. Alors, il y a de la VMAX, c'est cool. Mais la Shiny, je n'ai qu'une seule Shiny. C'est abusé. Là, je m'attendais quand même. Bah, les Shiny, ouais, pour moi, je sais pas. Les petites Shiny, je m'attendais quand même à 2-3. 2-3 cartes, quoi. Bon. Pour le coup, c'est la loose des shiny. Et par contre, en V et en VMAX, bah, c'est un peu la fête, quoi. Donc, force d'en ouvrir, on va commencer à comprendre comment ça fonctionne.
Yes! Une shiny. Donc deux shiny. C'est cool. Hop là. Hop, donc. Voici. Rosemary, comme d'hab. Et encore une V. Mais c'est quoi ce display de fou? Alors, autant il n'a pas donné en effet le Dracaufeu ou des cartes qui donnent juste trop méga envie comme beaucoup de cartes. Après, là, c'est juste la générosité sur le nombre de cartes en fait. Donc, c'est notre dernier booster. On y croit. Yes! Bah oui, on y croit. Voilà, un shiny. On y a cru jusqu'au bout. Ah, abusé. Une V. Encore une V. Ouais, je vais faire le calcul, les gars. Mais il y a. Sur chaque booster, il y a eu un truc. Je crois qu'il n'y a pas eu un booster où il n'y a pas eu de truc. C'est fou. C'est fou. Mais ça fait. Bah, ça fait grave zizir, c'est tout, hein. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Bam! Bon! Bah, ça, c'est fait. Ça c'est fait, c'est plus à faire. Bon, faut vraiment que je regarde là les cartes que j'ai eues, parce que. Papa, 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 ça tabasse. Alors, un, je suis toujours en kiff d'ouvrir ces displays. Bah, là, je sais pas le nombre de cartes que j'ai eues, mais il est impressionnant. Donc, bah, comme d'hab, tout ce qui est holo, je vais pas vous les faire. Je vais faire les V, les V max, etc. etc. Mais là, il y a pour beaucoup. Bah, il y a pour beaucoup. On se comprend, hein. Il y a eu beaucoup de drops, j'ai l'impression. Donc ça, on met de côté. Ça, ici. Ouais, je sais pas, pour moi, un paquet, c'est ouais, sur 10 boosters, 2V max, 2-3V, une ou deux shiny. C'est déjà pas mal. Et la secrète, bien sûr. Ce qui est déjà des gros taux de drop, je trouve. Et là, style, on arrive à faire mieux que ça. Bizarre, bizarre. Hop. Ouais, je suis désolé, je prends le temps de corriger, de protéger les cartes. Avant qu'on voit tout ça ensemble. Donc, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker. À commenter et puis bah pareil si vous avez des échanges à faire c'est comme d'habitude c'est ouvert je suis ouvert aux échanges ne pas hésiter à me contacter voilà c'est aussi simple que ça et puis après pareil hein, si vous avez des si vous voulez qu'on discute un petit peu de la série des choses ou autre je suis à votre dispo tu en fasses ceci allez plus que deux cartes donc déjà trois. Donc 6V au total, je vais avoir eu quand même 6V. Donc je vous rappelle, il y a 10 boosters. Je suis choqué, agréablement surpris, content. Après, ça, je pense que je serai beaucoup plus content le jour où j'arrive à tirer mon Dracaufeu, par exemple. Mais là, que voulez-vous que je vous dise? Amazing, incroyable, incredible. Donc, voici pour les cartes. Donc, on a une V, comme je disais, 2 V, 3 V, 4 V, 5 V et 6 V. Donc, 6 V sur 10 boosters. C'est déjà plus que correct. Derrière, nous avons le droit à. Hop, j'ai pas encore eu le temps de la protéger. Je vais la mettre en temps réel. Voici. Notre petit Kyogre, tout simplement. Donc, juste magnifique. Kyogre Amazing. Voilà, merci. Donc, ça fait toujours grave plaisir. Donc, si ça fait 7 cartes, même si on va pas la compter comme un hit. Et puis après, donc on a une VMAX, les gars. Encore une VMAX. Mais encore une VMAX. Un petit dresseur pour la joie. Et la secrète. Bon,
Que du kiff. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah 12 hits pour 10 boosters. Il y a qu'en japonais qu'on peut avoir des kiffs aussi gros quoi. Bon, ça sur un display, c'est juste kiffant. En français sur 36 boosters, si t'as 4V et une V max, t'es déjà heureux. Donc voilà. Bon bah merci à tous d'avoir suivi la vidéo encore une fois. Donc le samedi c'est japonais, c'est une petite formule qui fonctionne bien, en tout cas moi qui m'amuse à faire. Ça me permet d'ouvrir mes displays Shiny Star V au fur et à mesure, d'augmenter ma série au fur et à mesure. Et puis de vous partager tout ça. Donc voilà. Et que la série est très sympa à ouvrir, comme vous avez pu voir, on a quand même pas mal de hits à l'intérieur. Donc c'est toujours cool à regarder et à suivre en fait. Toujours plus intéressant que de voir des cartes qu'on a déjà vues 15 000 fois et qui sont juste pas top. Pas top. Donc voilà. Bon bah merci à tous. Si vous avez 30 secondes, faites un tout petit pouce. Un pouce, ça prend 30 secondes, ça fait super plaisir. Voilà, c'est juste ça. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Si vous voulez partager la chaîne, n'hésitez pas non plus. Voilà, donc on va continuer à faire un petit peu de contenu. Et puis n'hésitez pas à faire la critique, c'est fait pour. À dire ce qui a amélioré, ce qui est bon. Voilà, ça fait toujours plaisir aussi d'avoir des côtés de c'était cool. Donc plutôt que c'est de la crotte. Voilà, mais les critiques sont bonnes à prendre de façon à s'améliorer. Merci à tous, à très bientôt sur Poké Channel 76 et on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye, bisous à tous!